Dans la série Ici tout commence, Anaïs et Théo étaient heureux ensemble, mais ils n'avaient pas tout à fait les mêmes envies professionnelles. Alors qu'Anaïs aspirait à profiter de son rôle de chef au double A, Théo voulait parcourir le monde. S'ils ont convenu de vivre leur relation à distance, quel est l'avenir de leur couple? Cet été a eu lieu un véritable chamboulement pour Théo Tessier, Khaled Alouache. Dans la série Ici tout commence, diffusée sur TF1, le jeune chef du double A commencé à travailler en binôme avec sa compagne, Anaïs Grimbert, Julie Sassouste. Ce duo très créatif a pourtant décidé de mettre un terme à cette collaboration. Théo s'est en effet aperçu que sa compagne était pleine d'idées et qu'il n'avait plus vraiment de passion pour son travail au restaurant d'application de l'Institut Auguste Armand. Un constat qui l'a poussé à prendre une décision, partir faire un tour du monde culinaire afin de rencontrer des chefs différents et nourrir ainsi sa culture. Très motivé par ce projet, Théo Tessier a voulu embarquer avec lui Anaïs. Mais la jeune femme a préféré le laisser partir seul et continuer à diriger la brigade du double A. Depuis, ils vivent une relation à distance, s'écrivent et Théo invite sa compagne à le rejoindre aux quatre coins du monde. Un couple solide au fil du temps, ces deux-là pourraient-ils s'éloigner davantage qu'ils ne le prévoyaient? Ça a été difficile pour Anaïs de dire à Théo qu'elle ne voulait pas partir avec lui. Une relation à distance n'est jamais simple. Je pense qu'elle est suffisamment forte pour que leur couple perdure, a confié Julie Sassouste, dans les colonnes de Télépoche parues lundi 4 septembre 2023. Si Théo ne revient pas, Anaïs pourrait-elle partir à son tour? Nous sommes dans une école donc, si on veut que cela reste crédible, il est normal qu'un turnover se fasse. De mon côté, les auteurs m'ont écrit des choses très chouettes à jouer. On y pense tous un peu, évidemment, mais je n'ai pas encore véritablement envisagé un départ. Pas de rupture à l'horizon ni de grand départ pour Anaïs. Cheers.